Salut. Oh, salut toi. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, encore en compagnie de Ultimate Manga San. Alors aujourd'hui, on vous a préparé une petite vidéo un peu simpliste. C'est un concept que j'avais vu sur la chaîne 4D Girl. Coucou les 4D Girls. Alors leur concept à elles, c'était elles prenaient trois garçons de manga, voilà, au tirage au sort, et elles disaient qui elles épousaient, qui elles rejetaient, et... Avec qui elles couchaient? Non, c'était qui un bisou. Ah, c'était carrément un bisou. C'était très soft. C'était un bisou, la vie, et je le rejette. Et il n'y avait pas de cul. D'accord. Mais nous, on est un peu des garçons, alors. Et donc, par conséquent, le concept va être un peu différent. Voilà, nous, c'est un petit peu plus bof. Nous, ça va être qui pour la vie, qui pour une nuit, et qui on tue. Voilà. Alors, tous les deux, on a le droit à un joker. D'accord. On pourra utiliser à n'importe quel moment. On peut mettre le masque et enlever un personnage. D'accord. Et du coup, on repioche un personnage. D'accord, ok. Mais tu peux le faire qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Ok, donc il faut être intelligent. Alors, premier personnage, il s'agit de Rukia de Bleach. Que j'aime beaucoup Rukia, elle est très sensuelle. Deuxième personnage, Keikishimoto de Gantz. Pour l'instant, j'ai ma petite idée. Et le troisième, Shizuka de Knight of Sidonia. Oh! Alors moi, sans hésitation, sachant que je ne connais pas Knight of Sidonia, malheureusement, eh bien, j'ai envie de coucher avec Keikishimoto. J'ai envie de passer ma vie avec Rukia, donc c'est-à-dire je vais passer ma vie avec elle, mais je vais coucher aussi avec elle du coup. Ah bah oui. Un petit peu de temps en temps. Voilà. Et du coup, bah Shizuka, je ne te connais pas Shizuka, j'aurais aimé faire ta connaissance, mais je ne la connais pas. Donc Shizuka, je te tue. C'est vrai qu'on se fait l'inverse, tu vois, comme je les connais, mais... Toi, t'aurais gardé Shizuka? Ouais. Et t'aurais tué qui? Bah Rukia. T'aurais tué Rukia? Ouais. Oh mais Rukia, elle est bonne. Ouais, mais Kay, elle a du talent. Ouais, mais Rukia, elle est bonne. Le mec qui a zéro argument. Donc voilà, pour l'instant c'était facile parce que je connais pas trop Shizuka. À la fin de la vidéo, vous allez sûrement dire oui, mais il meurt plein de filles. Alors bien sûr, j'ai essayé de relier un peu nos manga tech, donc évidemment. Bien sûr. J'ai mes trois papiers. Il a ses trois papiers. Alors, j'ai Urumi Kanzaki de GTO. Oh, le petit chanceux. Ça te fait plaisir, toi. Ah oui. Oh, Winry de Fullmetal Alchemist. Oh là là. Eh, mais je vais avoir toutes les blondes. Ah, et Mikasa de SNK. Oh, mais t'en tues aucune, tu couches avec les trois là. Oh, mais c'est trop dur là. Après, elle est vachement costaud, oui, comme Mikasa. Putain, elle va te défoncer. Elle va te défoncer. Non, déjà, je pense que je vais passer ma vie avec Winry. Ouais. Winry de Fullmetal Alchemist. Elle te fera des automails. Oh, en plus, elle voilà. Elle te coupera le bras. Voilà, elle te fera un automail. Là, ça va te choquer. Je pense que pour une nuit, ce sera quand même peut-être Mikasa. Et que du coup, je tuerai Urumi Kanzaki. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà. Bah moi j'aurais pas aimé avoir ton choix GG. Non, il est dur. J'ai même failli faire le Joker du coup pour en enlever une. Tsunade de Naruto, la Hokage. Lisa Okwai de Full Metal Alchemist qui... Tu vois que j'y pensais à toi. En plus, Lisa Okwai, Roy Mustang. Coïncidence avec David? Oh, je ne crois pas. Oh my god, Mizuho de Peace Teacher. Je suis sûr que quasiment personne d'entre vous ne la connaît, mais elle est ô combien sensuelle. J'ai aucune hésitation. Je vais coucher avec Mizuho parce qu'elle est sublime. Je vais passer ma vie avec Lisa Okwai. Ah bah oui. Parce que Lisa Okwai, tu sais qu'elle te protégera, elle snipera s'il faut sniper. Elle est mignonne. Elle est mignonne. J'aurais fait le même choix. Elle est sincère en plus. J'aurais fait le même choix. Et je tue Tsunade de One Piece. Voilà. On va vraiment avoir des ennuis à force. C'est clair. Oh, Shuka de Darwin's Game. Ouais, que je connais. Namin One Piece. C'est One Piece, hein? Oh my god! Azusa Fuyusuki dans GTO. Ah là 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 là! Bon, bah déjà, je pense que je vais tuer Namin One Piece. Ouais. Fanboy en colère. Ouais, c'est clair. Pour une nuit, ce serait Shuka de Darwin's Game. Ouais. Et pour la vie, ce serait Azusa Fuyusuki. Allez. Ouais, absolument. Trop mignonne, Fuyusuki. Et surtout, Fuyusuki, tu peux être sûr, elle sera sincère toute sa vie. Hein. Enfin, voilà. Ça se sent. À part si elle voit Onizuka, dans ce cas-là, elle craquera, mais sinon... Je me ferai les cheveux en blond. Ouais. J'ai déjà fait... Moi, j'aurais fait le même choix que toi, GG. Pas trop compliqué encore, là. Non, là, c'était facile, honnêtement. Là, c'était easy. Bah, Nami, moi, je l'aime pas trop. Hein. En plus, elle est un peu casse-couille, je crois, dans One Piece.
Ouais, c'est... Le choix number 3 sera Awa Nakamura de Les Fleurs du Mal. Sawa. Sawa, oui, Sawa oui. Pardon, de Les Fleurs du Mal. Oh, c'est une photo de l'animé, ça. C'est vrai qu'il y a un animé de Les Fleurs du Mal, absolument. Ensuite, Saber de Fate Apocrypha. Elle est très bonne, hein. Elle est très très bien. Ah, bah... C'est Shinatose, de Knight of Sindonia. Shinatose, voilà. Bah là, sans hésitation, je vais coucher avec Sawa. Parce que Sawa, en fait, si je passe ma vie avec elle, j'ai peur qu'elle me tourmente un peu. Parce qu'elle est un peu folle, hein. Si vous avez lu Les Fleurs du Mal, vous le savez. Je vais passer ma vie avec Saber de Fate Apocrypha, parce qu'elle pourra me protéger, parce que c'est une guerrière, elle déchire tout. Et Shinatose de Knight of Sidonia, bah je la connais pas. Mais pourquoi tu utilises Neck Knight? Mais parce que je la connais pas. On a des choix un peu divergents. En fait, il y avait un petit piège, parce qu'en fait, c'est pas une fille, c'est pas un garçon, c'est elle qui décide une fois qu'elle a choisi son partenaire. C'est le troisième sexe, en fait. Ouais, mais c'est dangereux. Ça peut être dangereux, ça peut faire mal. Voilà, si elle décide d'être un garçon, alors que... Si elle décide d'être un garçon, je vais prendre cher. Hein. C'était un petit piège, tu vois. D'accord, ok. Bah j'ai bien fait. Moi j'ai bien fait. Voilà. Je ne regrette absolument pas. Aria Link de Letterby. Très très sympa. Oh, Shiro, Shiro de No Game No Life. Après, ça peut être malsain. Ça, elle est un petit peu jeune, elle a 8 ans. Elle a 11 ans. Mais après, on la voit tout le temps en culotte aussi. Donc, est-ce qu'elle serait pas avancée sexuellement? La pédophilie. Belle de Bloodlad. Ah oui. Eh ben écoute, j'aimerais dire que je vais passer ma vie avec Shiro de No Game No Life. Ouais. Parce que du coup, elle va peut-être grandir et au bout d'un moment, ça sera peut-être légal. Ouais, ça sera peut-être légal. La pédophilie. C'est clair, la pédophilie totale. Alors, je crois que je vais utiliser mon Joker pour enlever Shiro quand même. C'est un peu jeune. C'est un peu jeune. Oh, le mode dinosaure. Peux-tu me repasser le pot, s'il te plaît? Et j'ai Haruno Sakura de Naruto. Sakura de Naruto, donc tu as enlevé... Il a enlevé Shiro. Bah, je vais quand même tuer Haruno Sakura, du coup. Bah ouais. Je vais tuer Haruno Sakura. Après, passer une nuit avec elle, c'est pas mal. Hein. Ouais, bah après, Belle de Bloodlad, elle a du talent. Elle a des gros arguments. Moi, j'aime bien. Elle va pouvoir t'étouffer. Donc, pour une nuit, je pense que ce sera Belle de Bloodlad. Et pour la vie, ce serait Aria Lady. Parce qu'elle est très romantique, en plus, elle est musicale. Oh. Bah, moi j'aurais peut-être fait pareil, remarque, oui. Parce que, ouais, j'aurais peut-être fait pareil. Voilà. Sakura, elle est chiante. Moi j'ai arrêté Naruto au tome 1. Gali de Gunm. Même choix hier. Du coup, je vais enlever pour bonus. Shibo de Blame. Mais arrête avec Tsutomuni, hey, laisse-les-moi. Oh bon. Et Holo de Spice and Wolf. Alors, moi, je connais un tout petit peu Gali, je ne connais par contre pas du tout Shibo. Donc par conséquent, je vais passer la nuit avec Gali. Je vais tuer Shibo. Je suis désolé, GG. Hein. Et je vais passer ma vie avec Holo parce que Holo, elle est sublime. T'en souviens, tu as vu les dessins de Spice and Wolf, elle est magnifique. Donc voilà, Gali, une nuit, Shibo, jamais, et Holo, toute ma life. Tu as tué tous les personnages de Tsutomuni. Je suis désolé, j'ai un peu honte. C'est mon auteur. Ouais, je suis désolé. Moi, j'aime ce concept. Surtout que, bah oui, c'est... Misa Amane de Death Note. Ouais. Même dans le film, elle est très belle d'ailleurs. C'est Erika Toda, je crois, l'actrice. Oh. Ouais, et elle est sublime. J'ai Fuka. Oh là 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 là. Ah, Fuka qui est l'un des personnages que moi, je ne connais pas. Oui, Gégé ne la connaît pas. Et moi, je l'adore, vous le savez, Fuka. Oh my god, Asuna de Negima. Ah, ça fait quoi alors d'avoir ces personnages en moins? Petite anecdote, que Asuna dans Negima, eh ben, Kanakamatsu l'a dessinée pour qu'elle ressemble le plus à sa vraie femme. Donc elle ressemble vraiment à la femme de Kanakamatsu, faut le savoir, donc un peu jeune évidemment. Mais ouais, c'est son sosie apparemment. Donc c'est ce que si tu la tues, tu tues officiellement la femme de Kanakamatsu. Oh, bah je vais la tuer. Non. Si. Non, t'es sérieux? Ouais. Elle est gentille, on voit toujours sa culotte. Attends, là, au-dessus j'ai Fuka, une cheveux bleus, ouais, cheveux courts. C'est vrai. J'aime bien les cheveux courts en plus. J'aime bien les cheveux bleus. Les deux c'est un petit peu plus compliqué. Parce que Fuka, je la connais pas beaucoup, mais Misa Amane, je sais qu'en femme elle serait bien, tu vois. Non, je pense que je vais prendre Fuka pour la vie et Misa Amane pour une nuit. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est dangereux parce que si Misa, je la mets en colère, elle a un Death Note quand même. Tu l'as avant qu'elle utilise son Death Note? Mais non, puisque c'est juste pour une nuit. Ah ouais, merde, c'est vrai. Ah ouais, putain, bah oui, c'est vrai. Donc elle serait peut-être mort. Ouais, mais après, elle retourne avec Kira, qui est mort. Ah oui, voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, j'aurais fait pareil. Voilà. Fuka pour la vie, parce que Fuka, elle est super sage. Officiellement, Fuka meurt. Mais...
j'aurais ri. Mais meurt dans le top 5, mais voilà. Quoi? C'est pas une vanne en plus. Oh merde. Attention, my turn. Hinata Yuga de Naruto, Erza de Fairy Tail, et le dernier sera Midori. Par contre, si tu tues Hinata, t'as vraiment décidé de tuer tous mes personnages préférés, quoi. C'est vrai, tu l'aimes bien Hinata? Hinata, ouais, c'est mon personnage préféré. Ouais, mais Hinata, elle va être en couple avec Naruto, et Naruto, moi, je l'aime pas. Mais justement, c'est comme ça que tu lui voles sa femme. Ouais, c'est vrai, ouais, t'es vrai. Je suis désolé, GG, mais moi, j'ai envie de passer une nuit avec Erza, parce qu'elle elle est super jolie. Elle est super jolie. Et Midori, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Midori Days. Tu sais que juste après, je me suis fait tout l'anime. Juste après, GG s'est fait tout l'anime. Donc, comme quoi, j'ai réussi ma vidéo. Si j'ai donné envie, ben, je vais passer ma vie avec Midori. Parce que Midori, elle est trop mignonne. Je me suis pris juste après, du coup. Lisez-le ou regardez-le. Et donc, par conséquent, je passe ma vie avec Midori. Et je passe une nuit avec Erza. Et je suis désolé, GG, mais Hinata et son Bakugan. Je vous coupe la tête. A savoir, il y avait 40 personnages en tout. Donc 7 tirages chacun, c'est ça? 7 tirages chacun. Ouais. Alors, petit suspense. Mamori de Hellshield 21. Hellshield ou Eyeshield? Eyeshield. Eyeshield. Eyeshield, on est anglais. Mami Pinako de Fullmetal Alchemist. Ouais. Après, passer sa vie avec elle, elle est sympathique, hein. Elle te fait manger, mais... Oh bah ouais, bah c'est vite vu. Olivia Armstrong de Fullmetal Alchemist. Alors, je t'avoue que si je tombais sur la mamie, j'avais dit que j'allais faire ma vie avec mamie. Le problème, c'est que Olivia, elle va me tuer. Ah ouais, elle va te casser la gueule. Hein. Dans tous les cas, ce sera Olivia Armstrong pour la vie. Parce que sinon, je vais mourir. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et je tue Mamori de Hellshield 21 et je tue Mami Pinako. Parce que sinon, Olivia va me tuer si je couche avec quelqu'un d'autre. Mais tu peux pas. T'as pas le droit de faire ça. Ah bah dans ce cas là c'est Mami Pinako pour une nuit. Mami Pinako pour une nuit. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est un calvaire. Ah mais faut sortir des expériences. Ouais bah alors au moins vous aurez vu Jérôme entre la pédophilie et la vieillophilie. Je sais pas comment on dit. Comment on dit ceux qui sont intéressés par les morts? Nécrophilie. Nécrophilie voilà. Elle est pas morte mais. Crise cardiaque. Et... Ouais voilà. Elle en est pas loin on dira. Mais Olivia ouais ça donne. En plus Olivia tu auras pour beau frère Armstrong. Et lui, putain, il va te protéger mais à mort. Parce que lui, faut pas le faire chier. Mais j'insterai un homme battu avec Olivia quand même. Ah ouais, bah ouais, ça c'est clair que tu seras battu. Et puis quand lui va arriver, il va se mettre torse nu, tu vas devoir tâter ses tétés. Bah ouais, moi j'aurais fait pareil que GG. T'aurais couché avec mamie aussi? Ah ouais, j'aurais couché avec la mamie. Bah ouais, parce qu'après, la mamie, bon, elle est plutôt pas mal. Hein. Nous avons... Oh, Claire Redfield de Resident Evil. Je rappelle quel manga, donc c'est justifié. Ouais. Shiro de Deadman Wonderland. Un peu folle, mais ô combien sympathique. Et Bulma de DBZ. Je vais passer ma vie avec Claire. Parce que elle est super, Claire, tout simplement. Et je vais passer une nuit avec Shiro. Ouais, une nuit Shiro, ma vie avec Claire. Et Bulma, je la tue. C'est triste. Ouais, après Shiro, elle a des cicatrices partout sur le corps. Donc, ouais, mais bon, tu dois sentir ses cicatrices quand tu la caresses. Ouais, donc moi j'aime ça. C'est la barbe, tu peux te sexy quand même. Finalement. Ouais, c'est clair, bah oui, c'est la fille badass quoi. La fille, tu sens qu'elle a vécu des choses un peu tourmentées. Petite anecdote aussi, GG, celle qui fait la voix de Bulma en japonais dans Dragon Ball Super est morte pendant qu'ils enregistraient Dragon Ball Super en fait. Oh. Ouais, et donc du coup, en fait, je sais plus à partir de quel épisode, vous me direz dans les commentaires. Et ben, ils ont changé la voix de la femme qui fait la voix de Bulma parce qu'elle est vraiment décédée. Oh, c'est triste. Ouais, c'est triste. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc voilà, Bulma, je la tue. Voilà, je suis désolé. Et Claire est fine pour la vie parce que Claire, elle est badass. En plus, avec Claire, je pourrais rencontrer Léon, tout ça, c'est cool. Je pourrais rencontrer Chris. Chris, oui. Yuno Gasai de Mirai Nikki. Ouais, alors je connais juste son image, mais je connais pas vraiment le personnage par contre. C'est un personnage un peu psychopathe. Asaki Yuzua de Alice in Borderland, le lapin. Lucy de Fairy Tail. Oh, petite Lucy. Est-ce que ce serait pas sympa d'avoir une psychopathe qui te protège qui... Ah bah là au moins tu crains rien. Alors après t'es sûr qu'elle fait ce que tu veux pour toi. Ouais c'est vrai. Et si t'es avec Lucy, elle peut invoquer la Vierge, tu sais. Et la Vierge elle est super jolie. Oh, tu peux justement faire des... Après si je commence à piquer ses clés. Ouais c'est vrai. Pourquoi mes clés sont toutes visqueuses? Tu peux faire. Oh putain de Dieu GG. Après Yuzua elle est athlète.
Pour la vie, ce sera Yuno. Pour une nuit, ce serait Yuzua. En plus, surtout que bah, dans Alice in Borderland, il passe une nuit avec et du coup, c'est très bien. C'est vrai, il couche avec. Ah oui. Oh. Oui. Et Lucie, bah, je te tue de Fairy Tail. Aïe aïe aïe, Natsu va pas être content. Fanboy en rage. Fanboy en rage. Aïe 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 aïe. Ah ouais, putain, en plus, ceux de Fairy Tail, ils sont chaud bouillants. Hein. Alors nous avons Orihime de Bleach. Nous avons Neliel de Bleach. Oui, je vois qui c'est en plus. Pas dans le manga, mais dans l'anime. Et nous avons Suzuka. Suzuka qui est la mère de Fuka. Et il y a un manga d'ailleurs dessus. C'est vrai ? Ah oui, Suzuka c'est la mère de Fuka. J'ai pas fini Suzuka, c'est pour ça que j'ai pas Fuka. Ah mais bien sûr. Et des fois on voit les parents de Fuka dans Fuka. Ah oui, on les voit des fois. On les voit moins, mais on les voit toujours. Et c'est pour ça que Suzuka, que Fuka est... Je dis rien. Faut que je lise Fuka. Enfin, faut que je lise Suzuka, il me reste deux temps. Ah, mais oui, c'est pour ça que leur fille va moins. Alors, du coup, moi c'est simple. Je passe une nuit avec Neliel. Et je passe ma vie avec Suzuka. Parce que Suzuka, elle est tellement attendrissante. Elle est belle. Au moins, il y a sa fille aussi. Qui sera peut-être donc ma fille aussi, hein, Fuka. Donc voilà, Suzuka pour la vie et Neliel pour une nuit. Et Orihime est trop casse-couille. Est-ce que je passe pas la magie avec Fuka, j'avais dit tout à l'heure? Tu passes ta vie avec Fuka. Donc c'est mon gendre. Jérôme est mon gendre. Oh, c'est bien ça. En même temps, Jérôme est du Nord, donc... voilà. Donc il se passe des trucs un peu dans la famille un peu chelou. Oh, est-ce que ce serait pas le dernier tirage? Oh my god, c'était mon dernier tirage. Donc c'est le dernier tirage mais à GG. T'as même baptisé le Joker du coup? Ah non. Et non, j'ai même pas porté mon truc de dinosaure, mais juste pour toi, pour ton tirage à toi, bah moi je vais le mettre aussi parce que j'aime bien les dinosaures. Il reste 4 papiers du coup. Est-ce qu'on prendrait pas 2 papiers chacun et... Absolument. Vas-y, je te laisse prendre tes 2. On va juste dire avec qui on fait notre vie et qui on tue. Vas-y, GG. Pédophilie, le retour. J'ai Rico de Madin Abyss. Tu vois, là, j'ai 8 ans maintenant. Ouais, c'est vrai. Putain, t'es passé de Mami Pinako à Rico, quoi. Nagisa Nagase de GTO. La femme de Ryuji. La femme de Ryuji, absolument. Qui est schizophrène et qui peut péter la gueule à GG. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, elle est super énervée. Hein. T'as fait en même temps. Moi, j'ai... Lust de Fullmetal Alchemist. C'est horrible, mais c'est un peu dangereux, là. Non, mais moi, je vais te dire que je peux pas. Je vais te dire pourquoi. Ah bah, Naruzegawa de Lovina. Vas-y, GG, donne ton avis d'abord, mais moi j'ai déjà le mien. Évidemment, je finis ma vie avec Rico de Madin Abyss. C'est vrai? Ouais, je vais tuer Nagase. Ouais, mais Ryuji, il va te péter la gueule. Ouais. Et officiellement, si tu touches à Ryuji, après Onizuka, il te bute. Dans tous les cas, t'es mort. Ou sinon, tu vas en prison pour avoir... Voilà, mais après Rico, je vais dire... Attends un peu. Il va pas se passer grand chose, mais du coup, d'ici quelques années, déjà, au bout d'un moment, elle sera majeure. Ouais. Tu pourras enfin faire des bêtises. C'est vrai. Et puis surtout, Rico, si elle t'amène dans l'abysse, c'est cool. Il y a du voyage. Ouais, il y a du voyage, il y a de l'aventure. Donc tu choisis de passer ta vie avec Rico. Et en plus, quand je reste à Kanto, je serai qu'une gamine de 20 ans quand même. Ah ouais, c'est clair. Le rêve de Nizuka. Ouais. Et moi, je vais tuer Lust. Parce que Lust, elle a osé faire du mal à Hughes. Elle a tenté de le tuer, Hughes de Fullmetal Alchemist, qui. Voilà, je dis rien. Et c'est impardonnable. Impardonnable. Pourtant, elle est très jolie, Lust. Hein. Mais voilà. Et Naruzegawa, je suis un fan de Lovina. J'aime bien Naruzegawa, parfois un peu gamine, mais bon, je l'aime bien quand même. Donc par conséquent, je passe ma vie avec Naruzegawa de Lovina. Oh. Voilà. Et voilà, messieurs, dames, vous savez maintenant comment nous plaire, quel type de fille nous plaît. Envoyez-nous vos photos. Voilà, vos profils. Alors vous savez que si vous avez 8 ans, vous me plaisez. Non, mais il faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Et 80 ans aussi. Voilà. Moi, j'ai pas d'échelle, hein, Lui, Jérôme, il est vraiment open de tous les âges. Vous avez 10 ans, envoyez votre photo et Jérôme pourra vous choisir. Voilà. Non mais tous les pièges que je t'ai préparés, je les ai eus et tous les personnages de Knight que je voulais, je les ai pas eus. Ah mais c'est vrai. Moi mes choix étaient assez simples. T'as utilisé ton Joker, il a utilisé le dinosaure. J'ai utilisé mon Joker. Voilà. Parce que justement je voulais éviter les blagues pédophiles. Oui c'est vrai. Voilà messieurs dames, j'espère que ce petit concept de vidéo vous plaît, on pourra en faire de temps en temps quand on... Absolument. On en refera. Oh! Il avait attrapé la mouche! Oh, tu l'avais dans ta main, quoi! Putain! Mais après, elle s'est barrée, là. Non, mais elle est morte, je l'ai eu! Oh putain, il y a une mouche qui est morte! Si on peut faire de temps en temps des petits concepts comme ça pour.
Ouais. Enfin, pour se réunir, pour faire un partage un petit peu. Moi, je suis monté dans l'heure juste pour faire cette vidéo. Après, là, je m'en vais, là. Dès que la vidéo, elle est finie, je m'en vais. Voilà, c'était un plaisir de rencontrer Jérôme. Et de faire des choix comme ça, avec lui. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans le Nord, dans mon studio. Ben merci, je t'aime beaucoup, Gégé. Tu sais que j'ai acheté ce canapé justement, juste pour ça, pour inviter des gens. Et tu vas le revendre après. Bah en fait, je sais pas quoi me faire à part ça. Il me sert à rien au final. Bah on est bien dans ce canapé. Mais au final, voilà, j'ai le canapé JDMP a enfin servi pour un guest. C'est vrai. Et surtout, bah maintenant, moi je suis content parce que je connais l'envers du décor. Vous voyez, là il y a l'arrière, vous connaissez un petit peu le bureau, si vous connaissez bien GG, la mangatech, le canapé, tout ça. Et moi je connais tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour des nouveaux concepts. Et sur ce, d'ici là, à très bientôt.